connaître cette histoire. On n'a pas besoin d'avoir un passeport en règle pour connaître notre histoire. On n'a pas besoin de papier pour aller à San Francisco. On y va tout de suite ensemble. Merci. Good evening, everybody. Yes, we are here for an involvement of the quilts, and the quilts is a project that it started at the end of the 80s. It was also a manner to give HIV a face. Cleve Jones, he was the first one. His partner was dying of AIDS in the early 80s, and people were just talking about people dying of AIDS like numbers. And then he started the NAMES project in America, in San Francisco, and then after a while worldwide, people make quilts for people, family or friends, make their own panel for a daughter, a son, a lover who has died after AIDS. And worldwide, when there were happenings around World AIDS Day or AIDS Memorial Day, there were sort of ceremonies, and then they evolved the patchwork to let's see that people who have died of AIDS are more than numbers. Thank you very much. Bonjour, je suis Jean-Michel, je suis le président des Amis du Patchwork des Mots. Donc en France, l'association se passe en France, et en France nous n'avons pas versé encore de patchwork dans un musée. Nous en avons environ 24, et 24 recensés en tout cas. Et ces patchwork, nous continuons de les ouvrir, nous continuons de célébrer des cérémonies tout au long de l'année, pendant Golden Light, pour les proches du SIDA, au Festival Solidaise, pour les 200 000 jeunes qui viennent chaque année à ce festival de musique, juste avant un concert très populaire. Ils sont juste au ras de la scène et nous en profitons, puisqu'ils sont captifs, pour faire un grand déploiement devant ces, alors peut-être pas 200 000 à ce moment-là, en tout cas souvent à 40 000. Et puis il y a la traditionnelle aussi cérémonie du 1er décembre, juste avant ou juste après la marche interassociative. Alors c'est une histoire, les patchwork des noms, vous l'avez compris, mais c'est une histoire qui se crée. Par exemple, en France, on a créé un patchwork blanc pour toutes celles et ceux qui n'en racontent pas l'histoire, toutes celles et ceux qui n'ont pas de papier, toutes celles et ceux qui sont sans nom. Et puis on continue d'en créer en France et à travers le monde, parce que parfois, effectivement, on a besoin d'années et d'années pour faire son deuil, et puis parfois aussi on meurt encore des suites du sida. On avait préparé un rituel très millimétré, et donc on va s'adapter. Et donc je vais demander donc à Patrick de venir ici, si tu veux bien te joindre à nous. On va apprendre ensemble, puisqu'en fait, la lutte contre le sida, c'est apprendre. Alors, c'est très émouvant, et donc il faut prendre soin de soi, mais c'est aussi du tissu, c'est plein d'amour. Tout va bien. Et puis aussi peut-être qu'on peut. Est-ce que tu voudrais faire la cérémonie avec nous? Ça peut pour une première fois ensemble. Super. Donc en fait, vous allez suivre effectivement Patrick. Vous allez voir en fait, c'est un origami de tissu, un origami d'amour, de larmes aussi, de détresse. C'est aussi un acte puissant. Quand on fait l'exposition Kessari, on voit Kessari et les actes bien hurler leur haine de Reagan, leur haine de la bigoterie. Et c'est vrai que c'est une réponse dans l'amour qui a été faite en France et Pachon. On va donc en même temps que le Pachon va s'ouvrir, lire la liste de prénoms d'hommes, de femmes décédés des suites du VIH. Des hommes, des femmes qui viennent de Belgique, d'un peu partout à travers le monde, de France. Et donc, le premier lecteur va être Jean-Michel. Et ensuite, on va aussi demander donc à des amis de venir nous rejoindre pour lire ces prénoms. On est venu avec 5 kits, donc l'idée c'est qu'on va les ouvrir un par un. On va commencer ici, puis on continuera sur la pièce à côté. Donc je vais laisser donc Jean-Michel commencer la lecture. Tony Bouchard. Wendy. Eric. Joanne, Marie.
Potter, Jeff S, Jenny, Gérard, James, Vincent, Michel, Gérard, Romuald, Gentille, Jérôme, Dominique, Véronique, Noël, Odile, Raphaël. Et maintenant, on va continuer dans le tableau et on va proposer la tableau de personne à découvrir. On verra. Vous avez vu, c'est quelque chose de puissant, émouvant. C'est pas toujours qu'on est présenté devant des sièges politiques, on a été présenté dans la boue, on a été présenté dans des musées, mais aussi on a été présenté dans différents trucs du monde. Vous pouvez tout à l'heure prendre le temps de regarder. Sur chaque panneau, il y a un prénom, voire plusieurs prénoms, il y a les dates de naissance, de décès. Il y a aussi des symboles qui racontent notre histoire avec ces personnes. Et ils sont faits parfois maladroitement, parfois avec plein d'expertise. Bref, ils sont faits de nous. Léo V. Cohen. Paul. Alexander. Rick. Carmel Pereira, Rudy Luis, Gilbert, Michel, Fabrice, Luc H, Tim, Frédéric S, Oliver, Peter O, Christelle, Harry, Yann, Armand. Chaque panneau regroupe 8 panneaux pour former ce grand carré. Ça peut être des panneaux collectifs, ça peut être des panneaux individuels. 8 destins, 8 chemins. Et là, ici, un panneau. Un panneau qui nous raconte notamment un haut lieu de la culture gay chez maman. Un haut lieu de nos histoires. Et maintenant, on va inviter à ouvrir un autre panneau, celui-ci français. Mais tout à l'heure, on prendra le temps de découvrir ces histoires qui se racontent de peinture, de sang, de sperme, de paillettes, de poussière. Christine, Michel, Hiro de Souza, Peter, Wandolina, Eric, Rudolf, Luc, Odile, Raphaël, Didier, Michel, Gilani. Gérard, James, Vincent, Michel, Gérald, Romuald, Gentil, Jérôme, Dominique. Un patchwork français qui nous raconte ACT UP. Pour nous, c'était important d'amener ACT UP New York. ACT UP fait partie de l'histoire de dessin, fait partie de nos histoires. Et merci à Jean-Michel d'avoir choisi ce patchwork qui a une particulière résonance au sein de cette exposition. Eh bien, marchons. Continuons d'aller découvrir nos histoires, celles d'amis, celles de Jean-François, toutes celles encore à écrire. Thank you.
Adèle, Joël, Jean-Paul, Gérard, Michel, Didier, Régis, Bernard, Anne, Valentin, Youssef, Nadia, Mourad, Alex, Zara, Augustin, Fatma, Jacques, Daniel, Gérard, Bruno, Guillaume, Vivian, Christian, Dominique, Serge. Un autre guide nous attend. Ils sont plus de 70 000, on ne les compte pas. Certains sont dans des musées, d'autres sont chez des particuliers, d'autres sont à Atlanta. Certains sont sous nos lits, certains ne sont pas encore faits, certains ne sont jamais faits, parce que se dire et raconter ce qu'on a et ce qu'on a perdu, parfois c'est terrible. Encore ensemble. Stand-up, on va pouvoir poser maintenant notre patchwork, et on vous propose d'aller découvrir, de lire ses prénoms en musique, en écho. Continuez de créer, créez vos vies. Tout à l'heure, on est sur les services, on était des fighters, c'est vrai. On est aussi les artistes de nos vies. Merci. Et continuons d'échanger, découvrir, alors en musique ou pas. Merci à toi. Je raconte, merci.